Le prince George est élevé, depuis sa naissance, dans l'optique de devenir roi. Le petit garçon de 9 ans tient une place particulière dans la famille royale in privée. Il se laisse aller et appelle son papa avec un tendre surnom. Avec son père, le prince George ne fait pas de manière. Dans l'intimité familiale, l'aîné des Cambridge ne s'embarrasse pas des titres royaux portés par le prince William. Exit son Altesse Royale, le petit garçon a trouvé un adorable surnom pour son papa. Et si est Kate Middleton qui a vendu la mèche lors d'une discussion avec des habitants de Alester en 2018. À l'épouse, la duchesse de Cambridge avait révélé que ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, avaient trouvé un tendre sobriquet pour leur père. Kate a dit que William jouait au football avec les enfants hier soir et l'un d'eux a dit, « Je pense que c'était George. Est-ce que tu joues au football demain, Pops ?» racontait alors une femme après sa rencontre avec Kate Middleton, en utilisant ce surnom familier utilisé par les enfants britanniques. Le prince William a également des surnoms pour ses enfants. Lors d'une visite du jardin spécialement conçu par Kate Middleton au Chelsea Flower Show en 2019, le duc de Cambridge avait tendrement appelé la princesse Charlotte mignonnette. Le prince George, qui a récemment fêté son 9e anniversaire, a un lien étroit avec son père. Il faut dire que, comme le prince William avant lui, le petit garçon est élevé dans l'optique de devenir roi d'Angleterre. Depuis qu'il est bébé d'ailleurs, l'aîné des Cambridge accompagne souvent ses parents lors de visites officielles et autres engagements publics. À seulement 9 mois, il était notamment présent lors du voyage du prince William et de Kate Middleton en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Comme son père, le prince George est également touché par les causes caritatives. Le prince George est mignon et espiègle. Pendant le confinement du Covid-19 d'ailleurs, le petit garçon avait organisé une vente de gâteaux pour collecter des fonds pour l'organisation Tusk dont son père est le mécène royal depuis 2005. Le prince George a également hérité des passions sportives de son père puisqu'il a notamment assisté à l'Euro de football l'année dernière mais aussi au tournoi de Wimbledon il y a quelques semaines. Futur roi oui, mais surtout petit garçon. Car comme les enfants de son âge, le prince George aime s'amuser et possède un côté mignon et espiègle, comme l'a dévoilé un proche dans les colonnes du Weekly. Il aime faire des farces à ses parents et à ses frères et sœurs et faire rire tout le monde, a décrit cette source. Malgré les responsabilités qu'il aura dans son futur rôle, Kate et William ne veulent pas le voir grandir trop vite.